parce qu'on a organisé un collectif qui s'appelle le Crazy Cake Show. On s'est inspiré de l'œuvre de Jean-Paul Gaultier, le créateur styliste. On a représenté, d'après son spectacle, le Fashion Freak Show, qui est encore actuellement en scène à Paris. Et on l'a représenté avec des œuvres en sucre. On est parti de son enfance, son ours en peluche, jusqu'à ses créations dans les défilés, ses parfums, etc. En fait, on essaye vraiment d'utiliser toutes les techniques qui sont à notre service au niveau des matériaux pour après en faire des œuvres originales et uniques. Notre style de pâtisserie, c'est des pâtisseries qui sont classiques, que l'on revisite, c'est-à-dire des Saint-Honoré, des babas, des éclairs ou parfums de fruits en fonction des saisons, mais toujours en respectant la pâtisserie traditionnelle. On remet en valeur le savoir-faire pâtissier. Plutôt que de garnir des cercles et de mettre dans des congélateurs, on va monter des gâteaux minutes, on va avoir une pâtisserie plus facile à manger debout, plus nomade. On ne fait que du macaron. Notre atout, c'est que nous, on est spécialisés dedans, donc on a 40 parfums. On ne fait que ça, c'est un produit unique. Et je suis allé en Chine et de montrer comment on fait des macarons. Donc on est vraiment centralisé sur la qualité et le savoir-faire. Nous avons deux écoles, une école de cuisine à Argenteuil et une école de pâtisserie à Yssingeaux en Haute-Loire. On a l'habitude de travailler avec beaucoup de professionnels, des champions du monde, des meilleurs ouvriers de France. Nous proposons aussi des formations pour les internationaux. Donc ces formations sont données en anglais sur des thèmes qu'ils peuvent choisir, donc sur la pâtisserie, le chocolat, la boulangerie, le sucre.